Oui, bonjour. Comme on dit, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Match nul de 2 buts partout. Comment tu analyses ta rencontre? Très déçu par rapport à l'issue finale. Donc, on a dominé une rencontre qu'on n'a malheureusement pas pu emporter. Donc, l'ouverture du score par l'équipe adverse qui est venue avec un plan de jeu très précis et ils se sont retranchés dans leur camp avec les qualités offensives qu'ils avaient. Donc, c'est un plan qui a très bien fonctionné pour eux. Donc, voilà, nous, on avait des situations. On s'est trop précipité, malheureusement. On a manqué de maîtrise technique sur des zones qui étaient importantes pour nos enchaînements. Malheureusement, donc on n'a pas pu aller chercher cette victoire aujourd'hui, mais on va retenir l'état d'esprit et la capacité à revenir 2 fois au score. Alors, pour les supporters, on a 2 nouvelles joueuses qu'on a vues aujourd'hui, Wolimata et Kumba. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, ces 2 jeunes joueuses qui ont intégré récemment le groupe, il y a un potentiel, donc elles font partie du groupe. Et le retour d'Amandine également? Amandine aussi, il y a aussi Marine, donc le groupe s'élargit, donc ça nous donne des arguments pour améliorer nos performances pour la fin de saison. Alors, prochain match, déplacement? Déplacement à Nice, une équipe de haut tableau, un déplacement qui ne va pas être facile. Malheureusement, aujourd'hui, on a laissé des points ici qu'il faut aller chercher ailleurs. Merci. Colline, Lina, bonjour. Match nul aujourd'hui, 2 partout, c'est frustrant pour vous? Bah, pour ma part, c'est un peu frustrant, oui et non. Après, on a été mené 2 fois au score, on arrive à revenir 2 fois, mais je pense qu'on a plus d'occasions qu'elle. En plus, on est chez nous, donc je pense qu'on laisse quand même filer des points bêtes. Bah, je reviens sur ce que dit Colline, hein. On a quand même eu la capacité de revenir 2 fois au score. Très compliqué de jouer contre un bloc bas. On n'a pas su trouver les solutions en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Et là, ça n'a pas suffi pour gagner le match. Comment tu as vu ton match, Colline? Alors pour ma part, c'est un peu un tout nouveau poste parce que de base, je joue au milieu de terrain. Après, ça me permet de soit rentrer intérieur sur mon pied droit, j'ai pu faire 2-3 frappes, mais pas cadrées. Ou après, partir aussi sur mon pied gauche pour centrer. Je me suis sentie assez bien comparée au match de Strasbourg, mais je pense que je peux apporter un peu plus. Lina, tu revenais de sélection, ça s'est bien passé? Oui, très bien, comme d'habitude. Un stage rempli d'entraînement et de matchs, mais très bien passé dans l'ensemble, oui, merci. Et pas trop compliqué la gestion du retour? Un peu fatiguée, oui, j'ai attrapé un petit bouton de fièvre, c'est que je suis un peu fatiguée, mais sinon, non, ça va, j'essaye de gérer, de bien récupérer, bien manger et bien dormir, donc ça va. Merci.